Rahim. Sur la liste de cette date FIFA, on retrouve un socle ou une base de joueurs qui sont là depuis, depuis pas mal de dates FIFA. Donc logiquement, ce serait cette base, cette même base là et ce socle là est destiné certainement à participer à la prochaine Coupe d'Afrique. Mais à chaque jour suffit sa peine, à chaque date FIFA suffit sa peine. Vous savez le différents désaventures des fois qu'il peut y avoir, les blessures, les manques de temps de jeu clair pendant un certain temps qui pénaliserait certains joueurs. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, le groupe est quasiment là, à peu près à 4-5 joueurs près, qui ne sont peut-être pas là pour différentes raisons. Sinon, c'est plus ou moins le groupe. Mais on continue à travailler, on continue à affiner un petit peu le travail. Je vous avais dit qu'au mois d'octobre, on sera encore un peu plus. Bien sûr, puisqu'on est à un mois des deux matchs de qualification Coupe du Monde, donc on sera un peu plus dans le vif du sujet, et on sera moins dans une perspective de différents, entre guillemets, différents essais ou revues de plus ou moins d'effectifs. Donc voilà, voilà comment cette date du mois d'octobre va être établie. Donc on ne sera pas dans ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, à savoir quasiment deux équipes sur les deux matchs qu'on joue à chaque fois. On ne sera plus dans ça, je l'avais prévenu, je vous avais déjà dit. Voilà. Après... Quand j'ai dit que vous avez besoin d'être rassuré, ce n'est pas innocent du tout. Parce que sur ce qu'on a pu lire, ce que j'ai pu lire, ici et là. Donc c'est pour ça que je pose. Bah, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Ouais, bah, je lis pas. J'ai pas trop lu ça. J'ai pas besoin d'être rassuré sur quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail avec, avec mes joueurs, avancer. Dans tout, avancer vers l'objectif qui est un double objectif, à savoir être prêt pour le qualif Coupe du Monde dès le mois prochain, être prêt pour l'un va préparer l'autre aussi, à savoir les deux matchs du mois de novembre vont préparer aussi d'une certaine manière la Coupe d'Afrique de la meilleure des manières, puisque ce sera deux matchs très très importants, puisque ce seront bien démarrés dans un petit championnat à 10 matchs, dans ces qualifs de Coupe du Monde, c'est essentiel, on le sait ça. Bien démarrer une compétition, c'est toujours un gage de réussite à la fin. Pas à 100%, mais c'est souvent comme ça, on démarre bien, on finit bien.